Salut tout le monde, c'est Drunkslan avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la vidéo découverte preview de Slayway Camp. Slayway Camp. J'aimerais remercier la compagnie Blue Wizard Digital Ltd. pour m'avoir envoyé une copie de ce jeu pour que je puisse vous en faire une vidéo. Donc ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu, c'est sûr. Un jeu où, en fait, on est dans un petit camp. Bah, en fait, il y a une histoire. Hein. Là, c'est dans un camp de vacances ou quelque chose comme ça. Et là, on a un tueur en série. Puis on joue le tueur en série. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est tuer tout le monde. Mais pour tuer tout le monde, il va falloir qu'on... C'est comme une sorte de mini-puzzle. C'est-à-dire, quand on déplace le bonhomme dans une direction, il va au maximum de la direction. Donc s'il rencontre quelque chose, ben, il faut l'envoyer ailleurs. Donc faut... on va regarder ça ensemble. Ça va être plus simple. Donc voilà, c'est parti. Donc, d'après ce que je peux voir, c'est comme une vidéothèque de films d'horreur, c'est drôle. Puis là, le seul film qu'on a, c'est Slayaway Camp. Just when you fall, it will save the camp. Et là, c'est une VHS, hein, on s'entend. Donc là, il y a comme une mini-description en 1983, le jeudi 12, blablabla. Bla, bla. Oh, y avait-tu écrit Mass Effect? Starring Mark Murray, Mass Effect. Oh, Skullface. Cool. Donc là on fait, bon j'ai joué un petit peu, c'est normal, donc je vais faire continuer mais je vais reprendre depuis le début pour pouvoir vous montrer un petit peu la mécanique. On peut y jouer avec la souris, vous la voyez pas, on peut y jouer avec le clavier ou une manette, ça fonctionne. Donc on fait continue, puis là on va mettre depuis le début, là avec la scène d'intro, play, c'est parti. They thought summer camp would be fun. Ooh. It wasn't long before they realized it would be deadly. Slay away camp. Puis là, on tue tout le monde. Une sur dix. Alors là, ils expliquent comment ça fonctionne. Donc je vais jouer avec le clavier, ce sera peut-être plus simple. Donc voyons notre bonhomme. Donc si je fais ça, il va à fond par là. Si je fais ça, il va à fond par là. Donc c'est vraiment bing bing bing. Donc c'est comme une mini puzzle, il y a ça. Donc là, on va massacrer lui. Et on a fini, les gens sont partis. C'est comme le début de l'histoire du camp. Et là, on va ici, dans le pentagramme. Et on a fait, yeah, you're the best. Continue. On y va. Et là, c'est comme le, c'est comme un tutoriel un petit peu. Hein. Donc là, il y a des pas partout. Il faut aller attraper le gars. Donc je peux aller par là, par là, par là. Et là, on le massacre. C'est violent au bout, mais c'est full de pixels. Donc maintenant, il nous reste juste à retourner ici. Facile. Scène complète. On y va. Suivante. 3 de 10. Donc là, on a deux personnes à tuer. Donc on va commencer par aller par là. Massacrer celui-là. Oh, accent. Puis je crois qu'en plus, au fur et à mesure, on récolte de l'argent qu'on peut dépenser pour avoir d'autres possibilités de tuer. Et là, on va aller par ici, et là, on y va, et on la massacre. Voilà, c'est terminé. Et puis voilà, vous avez vu le petit lapin, c'était mignon. Hein. Oh, et là, on a comme des bonus d'argent, faut juste cliquer au bon moment dans le rouge. Et voilà, on fait du cash. Bon, vous commencez pas à 560, hein. C'est certain. Mais comme j'ai joué un petit peu, bah, ça se cumule, c'est ce que je vois. 4 de 10. J'ai pas été très très loin non plus. Donc là, on a... lui s'enfuit, parfait. Donc le pauvre il peut fuir d'après ce que je peux voir. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment ah comme ça, ok, comme ça. Je dis comme ça et puis finalement c'est pas un truc comme ça. Ok, des fois c'est niaiseux hein. Ah voilà, c'est parti. Et là il s'enfuit et dans le massacre. Et voilà. Là, il nous reste juste à aller récupérer ça en faisant comme ça. Donc, c'est même un puzzle pour pouvoir sortir. Oh, il va y avoir un bonus. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. De peu, de très peu. 5 de 10. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Donc là, on massacre lui. Lui s'est enfui. Donc là, on va aller... massacrer comment je fais pour massacrer celui-là, j'avais pas trop le choix.
par ici, 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 et voilà. Bam! Lui s'enfuit et il meurt. Et voilà, t'es mort. Next. Donc là aussi, je pense que j'ai un bonus d'argent. Oh, décapité. 6 de 10. Ok. Ok, donc là, on massacre lui. Et lui. Il était assez simple. Maintenant, il faut... Ah, ok. Mais là, je suis comme coincé. Donc, c'est fait exprès. Là, je suis coincé. Donc là, il nous explique qu'on peut revenir en arrière. Il y a une touche R. Donc, on va recommencer. Ok. On recommence. Là, j'ai mal joué. Donc, on va faire d'abord lui pour bloquer l'autre qui va aller dans l'autre sens. Ah, oui. C'est correct. Et voilà. On massacre celui-là. Donc là, on devrait avoir plus de chances pour aller là. Donc, on peut recommencer comme dans un film avec un magnétoscope, finalement. C'est assez simple. Hop là! Une petite fléchette dans la tête. El fuego de la muerte. Scène 7. Donc là, le feu peut nous faire très très mal. Donc faut faire attention. On peut les pousser dans le feu. Mais nous, ça fait mal. Donc là, on massacre. Lui, elle fonce dans le feu parce qu'elle a eu peur. Elle est là. Donc là, on va s'occuper de lui. Voilà. C'est dégueulasse. Donc là, on va aller s'occuper de la dernière. Et voilà. C'est parti. Maintenant, on peut y aller. Vous voyez, donc il commence à avoir des petites subtilités dans le puzzle. Il ne faut pas que je rate mon coup. Et en plus, on peut débloquer d'autres personnages. Donc on n'est pas toujours le même Skull Face. Il y en a d'autres. Je sais pas si le jeu est très très long, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses à débloquer. Donc... je pense qu'aller à gauche, c'est pas une option. À part si je lui fais peur. Je peux pas lui faire peur. On va aller par là. Parfait. Maintenant, je suis quand même fourré. Parce que si je vais à droite, je vais dans le feu. Si je vais à gauche, je vais dans le feu. Voilà. Donc, on va le recommencer. On recommence. Voilà. Donc, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Alors, on va essayer autre chose. On va aller par là. Par là, par là. Par là, par là, par là. Et par là. Ah, comme ça il a peur et il peut... Ah, parfait. Donc je peux revenir par ici. Faut juste pas que... Excellent! Bon, là, je vais avoir un petit massacre à faire. Next. 9 de 10. On est bientôt réussi et bientôt terminé. Le petit... Oh! Là, j'ai le droit de le faire en 6 fois seulement. Sinon, la police m'attrape. En lui, on dirait que c'est comme un king. Oh, oh, oh! I can fast forward you through the solution, but maybe you want a hint first. Oh, on dirait que c'est simple, mais ça n'a pas l'air si simple. Donc là, je peux dire que je skip le E, que je dis non merci, ou que je paye 25$ pour avoir un indice de comment arriver à faire celui-là. Donc je suppose que si je monte, ça rate. On va faire non merci. J'ai juste 6 essais. Donc lui, ça a l'air d'être un king, à mon avis. Donc il va sûrement courir de partout. Ça commence à être plus compliqué. Hein. Ok. Donc si je fonce dessus, à mon avis, il va fuir. Essayons de voir ce que je peux faire. Ah, j'ai le droit à faire 5 coups. Intéressant. Ok. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je suis en train de m'inventer le fait que ça va être super difficile. Ben... ok, on va recommencer. Je peux-tu reculer? Si je fais juste ça. Ok, ok. Donc là, je l'ai massacré. Mais maintenant, j'ai juste 5 coups. Il me reste 5 coups pour aller là. Hein? Donc le massacrer, c'était facile. Maintenant, il faut juste que je trouve le moyen. Ah, j'ai trouvé. Ah là 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 là. On recommence. Ok. Comment je peux faire? Ça me prend un coup pour le massacrer? Ah waouh, ok. Est-ce que je vais passer 50 heures à essayer de... est-ce que je vais passer tout le reste de la vidéo à essayer de faire celui-là? On massacre. Oh non, non, non. Oh non! Comment ça j'ai... faut bien que je le massacre.
Au moins je peux tourner, c'est déjà drôle. Mais si je fais ça, ça fait un coup. Là il m'en reste 5. 1, 2, 3, 4. Ah, merde. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 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 oui. On monte là, 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 et là, et voilà. Pff, réfléchir un petit peu. Bon, on va essayer de le massacrer, lui. Oui. Oh. Final scene. Oh, oh. Va-tu y avoir un autre film après? Là, il faut que... Oh, il y a un trou. Alors, s'il y a un trou, faut soit que je fasse peur. Je crois que je suis comme poigné pour arriver à côté du feu par sa droite, finalement. Donc, là, j'ai pas trop le choix d'aller par là. Sinon, je meurs. Je peux pas aller par ici, sinon je tombe dans le trou. Donc, j'ai pas trop le choix d'aller par là et par là. Ok, pour l'instant. Maintenant, c'est là. Bah, ça a rien d'aller en haut. Donc, maintenant, c'est là. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais par là? Ok, j'ai trouvé. Et voilà, et c'est lui qui tombe dans le trou. Et ça donne un succès. Oh, comme par hasard, il y a comme des pics au fond. Wow. First movie complete. Yeah. Cabin in the wood. Next. Welcome to the video store. Click on the shop button and I will show you something. Ok. Ta-da! This is a shop shelf. Use 1000 points. 1000 pièces. Click a gold pack. Ça donne un spécial kill de façon aléatoire pour le débloquer. Parfait. J'ai compris. Pousse-toi. Pousse-toi. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Donc, lequel je prends? Oh, il y a celui d'Halloween qui coûte d'ailleurs le moins cher. Parce qu'ils coûtent tous. Là, je vois pas le prix. Là, 1000, 1000, 1000, 2000. Et là, j'ai 1940. 2000, j'ai pas assez. On y va. Est-ce qu'on y va avec le premier ou est-ce qu'on y va avec celui d'Halloween? On va y aller avec le premier, ok. On va débloquer le premier. Tiens, celui-là. Ouais, on y va. Acheter. New Gore Pack. Sprunged. Oh, c'est dégueulasse. Parfait. Next. Here you have unlocked Gore Pack. Go to the kill shelf. Now for some fun. Ok. Alors on est là. Donc là on a ça. View. Oh, oh, dégueulasse. Et lui, qu'est-ce que ça fait? Je peux te voir? Qu'est-ce qu'il va faire? Excellent. Oh non, on va aller dans ici. Unlock killer by playing movies. Or use a mystery box for a surprise when you saved up enough skill coin. Skill coin, pardon. Now return to the movie shelf. Ça coûte 1000 pour avoir un... Oh, ok. Puis eux, pour les débloquer. Ok, ok, ok. Est-ce que... Bon, là, j'ai lui. Puis j'ai tout cela. Si je vais au film... Oh, a new movie came in. Click it to start slaying. Oh, c'est le numéro 2. C'est l'histoire numéro 2. Excellent. Return to Slayer Camp. Cool, il y a de la police. Oh là là, ça va être difficile. Ok. Est-ce que je peux prendre un autre killer? On va prendre lui. Select. Ok, et on va prendre Go Play. C'est parti, j'ai changé de killer. But it wasn't. C'est quoi ce vieux? Camp to return to Slayaway Camp. En fait, j'ai choisi Ellie, mais je... Nuclear Unleashed, Massive Maskless Skullface. Ah, c'est nous, mais sans notre masque. On est dégueulasse. On joue plus avec. Scène 1 de 13. Ah oui, on joue avec, donc j'ai sélectionné l'autre, mais il sert à rien. Donc là, ok. Donc là, faut pas que je fonce dans la... Faut sûrement pas que je fonce dans la... Dans le viseur. Ça fonctionnera pas, donc on va aller par là. Et là, on massacre lui. Et là, on massacre... Oh, la tronçonneuse!
c'est dégueulasse. Ok, good. Voilà, c'est facile, c'est normal. Donc là, on va y aller tranquille avec ça. Oh! La tête dans le feu! 2 de 13, c'est parti. Le lac, le dangereux lac. Oh là là, ça commence à être plus compliqué. Je suppose que je tombe dans l'eau. C'est ça. Je m'en doutais. Donc tout, hein. Ok, donc j'ai pas trop le choix d'aller là. Et d'aller là. Et d'aller là. Maintenant, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais là et je massacre lui? Il tombe dans l'eau et il s'est noyé. Parfait. Maintenant, est-ce que je reviens? C'est quoi ça? C'est rien du tout. Tiens, regarde. Voilà, les deux sont noyés. C'est vraiment horrible. C'est horrible. Moi, je vois un petit bonus. Tiens. Oh, un gros coup de batte dans ta gueule. 3 de 13. On va essayer de faire deux films. Oh mon dieu, ben là, je suis coincé. Ok, ouh. Si je m'arrête devant, il me tire dessus. Ok, donc là, j'ai pas trop le choix que d'aller là et d'aller là. Parfait, bon ben, pas trop le choix d'aller par là. Parfait. Oh, ok, maintenant, faut que j'aille voir la police. Alors là, si je vais par là, je m'arrête sur lui, je meurs. Donc, j'ai pas trop le choix que d'aller... C'est une bonne question. Peut-être j'aurais dû le tuer dans l'autre côté. Ah, j'aurais peut-être dû le tuer de l'autre côté. On recommence. Parce que là, j'aurais... Ouais, c'était peut-être mieux de l'autre côté. On va réessayer. Mais est-ce que je peux faire ça au moins? Oui, je peux. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, comme ça, j'ai la possibilité de monter. Et passer à la police. De tuer la police et d'y aller. Excellent. Donc, on y va. C'est parti, 4 de 13. Je commence à avoir beaucoup plus de... Donc je peux pas aller en haut, je peux pas aller à droite. Donc j'ai pas le choix d'aller par là. Et j'ai pas le choix d'aller par là. Parfait. J'ai pas le choix d'aller par là. Et j'ai pas le choix d'aller par là. Donc on va commencer par massacrer lui. Maintenant je peux pas aller par là, donc je n'ai pas le choix. Là je pourrais aller là et là, mais ça servira à rien. Donc on va aller là. Là, là. Et là, on le... On peut massacrer lui. Et on massacre lui. Oh, ça y est! Mon bonus kill que j'ai eu! Excellent! Bah, celui que j'ai acheté. Là, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de tuer tout le monde. Faut juste que je tue... Faut juste que je tue les... Dégueulasse! Faut juste que je tue les gens. Les policiers, je suis pas obligé. C'est qui, lui? Ok, c'en est deux. Ok, donc là, il y a des trous partout. Donc, je peux pas aller par là. Si je vais par là... Hein, tati tata. Est-ce que je peux en effrayer deux en même temps? On va essayer. Voilà, c'est bon. Puis là, je fais ça. Ok, donc maintenant, est-ce que je peux revenir ou je suis foutu? Non, c'est bon. Et voilà. Tana. Oh, coup de hache dans la tête. 8 de 13, 6 de 13. Vous me dites, hein. Pour l'instant, vous me dites, hein. Si ça vous intéresse et vous en voulez plus, vous me le dites. Il y a plein de films dans ce jeu-là, donc si vous voulez en voir d'autres massacres et voir plus loin ce qui va se passer, vous me le dites. Donc là, j'ai le choix. Je peux soit aller par là ou soit aller massacrer lui. Je vais prendre la version non évidente, c'est-à-dire... Passer par là et faire... Ah non, je meurs. Le policier va me tuer. Voilà, donc j'ai pas trop le choix finalement. On recommence. Alors, en fait, si j'ai le choix, je peux même... Ok, on va essayer ça. Ça. Et on y va. On massacre lui. On massacre lui. Excellent. Oh! Et là, il me reste lui à massacrer. Est-ce que je peux le massacrer ou est-ce que je suis faite? Ah là 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 là. Ah oui. Yeah. Et voilà. Maintenant, est-ce que... Oh oui, je peux revenir. Excellent. Excellent. Je fais de l'argent, je fais de l'argent. Je
récupérer de l'argent. 7 de 13. Cabin Crush. Oh. Pas le choix que d'aller par là. Pas le choix que d'aller par là. Oh! Oh, voilà. Très bien. Oh! Attention derrière toi. C'était un œil. Je crois que j'ai vu un œil voler. Ouais, j'ai pas le choix. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Excellent, excellent. On a un petit succès supplémentaire. Voilà. Allez hop, tu dégages. Forest Frenzy. Oh, faut que je le fasse en 7 coups. En 7 coups. Si je vais par... On va essayer par là. Ça fait rien. Oh, peut-être je suis correct. Peut-être que je suis correct. Oui, le coup de la... Oh, les deux en même temps. Ah, il m'en reste... Oh là, ça fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que... Non, ça ne marche pas. On recommence. Alors, là, on va aller comme ça. Alors, lui, il est par là. Puis, je suis... un peu coincé, hein. Un petit peu coincé. Ouais, on va essayer, mais je pense que je suis comme... Non, je suis fourré. Fourré. Ok, donc là, on va y aller différemment. Je pense que c'était pas une bonne idée. On recommence. Par en haut, je l'ai pas fait. Oh. Oh, ok. Oui. Oui, je pense que je suis correct. Oh. Et là. Yes. Je l'ai eu. Excellent. Oh. Coup de hache. Bookcase Blues. Alors, j'ai le choix. Mais ça me donnera pas grand chose. Est-ce que je peux lui faire peur? Non, ça c'est... Comment on fait pour revenir? Ah, R. R. Ah, mais j'ai le choix. Je suis en train de me dire que... Ok, on va commencer par ça. On va faire tuer L. Parfait. Donc là, je peux pas aller par là. On va tuer le policier. C'est ça la vie. Comment je fais pour passer? Ah là là, comment je fais pour l'avoir lui? Ah! Et voilà. Bye! Excellent. Oh 10, 10 sur 13. On y est presque. Ok. Donc là, essayons de leur faire peur. Ah, je pourrais plus remonter. Je suis foutu. Parce que je vais tomber dans l'eau, obligatoirement. Reculons. Ok. Si je fais ça. Oh! Waouh, non, je suis foutu. Non, ça ne fonctionnera pas. Faut pas que lui, il aille là. Faut que je le tue en premier, je pense. Putain. Non. Ah! J'essaye. Faut appuyer comme je veux. Ah oh oui, tiens, on va essayer ça. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui. Voilà. Excellent. Et puis là, je suis correct. Faut juste pas que je rate mon coup. Et voilà.
Boom. Suivante. Le 11, 13. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, je pourrais faire ça. Ouais, c'est faisable. Je pense juste à faire ça. Bam! Oh, le coup de la fourche! Très bien. Ah, oh, le meuble. Ah, sauf que le meuble... Oh là là, le meuble me coince. Ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas ça que je voulais faire. Raté. Si je vais là, je meurs. Ah! C'était un beau double coup. Sauf que je ne peux pas passer. Donc c'est pas ça non plus. Si je vais là à droite, je meurs. Si je vais en haut, ça fait ça. Donc essayons autre chose. Go. Très bien. Ça c'est fait. Je n'ai pas le choix que de repasser par là. Comme ça. Voilà, non, c'est bon. Ah non! Non, non, recule. Non, non, non. On recule. Ah, je suis coincé. Je suis foutu. Donc on va se le refaire par ici, c'est mieux. Pas trop le choix. Non, non, on est foutu. Ça ne fonctionne pas. Ouais, je viens de faire un truc. Je vais essayer. Ah zut! Je suis en train de voir si je triche dans le jeu. Non, ça fonctionne pas. Par là. Si je monte et que je le tue. Faut juste. Comment je peux faire mon coup? Comment je peux faire mon coup? Si je vais dans ce sens-là, je monte, il a peur, il fonce, il ferme le chemin. Je suis fait. Si je monte, je vais à gauche, je le tue, mais après, je suis coincé parce que je peux parvenir et je vais faire tomber la patente. Ah, c'est pas évident, hein? La grenouille qui se moque de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc on va leur commencer depuis le début, on va voir. Peut-être faut le faire autrement. Si je pouvais le massacrer lui avant... C'est peut-être possible, mais... C'est vraiment quelque chose. Si je fais là, là je le tue. Ok, parfait. Sauf comment je fais pour revenir? Est-ce que je prends sa place? Je prends pas du tout sa place. Donc là je suis quand même coincé. Non, je suis coincé. Ça marche pas. On va revenir. Hop, on va revenir. Donc, si je suis là, j'ai pas le choix. Faut que je passe par là. Faut que je la tue elle. Ah, mais je vais faire tomber dans l'autre sens. Ah, voilà. Ok, donc là, je vais revenir. Ah, voilà. Excellent. C'est ça qu'il fallait faire. Parfait. Oh! J'ai pas mal de cash. 12. Oh, j'ai 6 coups. Ok, je vais lui faire peur, il va tomber dans le feu, je vais lui faire peur, il va tomber. Est-ce que les deux... Parfait. Ah mince, je pourrais pas. Ça compte pas comme un... Ah, ça compte comme un coup. Ah, ça ne fonctionne pas. Commence, ça fonctionne pas. Donc, réfléchissons. Là, ça ferait un coup, deux coups, trois coups. Elle tombe dans le feu. C'est juste que lui, il a peur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je peux pas aller par là, je peux pas aller par là. Si je descends...
Non, j'ai pas assez de coups. Si je fais ça et que je le tue. Ok. Oui. Non, hein. 1, 2. Ah là 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 là, je suis foutu. Non, ça fonctionnera pas. Et si je fais ça, ça fait quoi? Ça me bouffe bien trop de coups. Et je suis foutu, ça sert. Oh! Waouh, c'est quand même. Ils meurent tous tout seuls. L'autre a peur de la fille qui monte dans le feu, qui tombe dans le feu. Ils ont tous peur pendant le feu. Donc là, il me reste 2 coups pour aller là. Ce qui n'est pas possible en soi. Mais c'était un beau combo. Mais je peux pas aller là-bas. Ça marchera pas. On recommence. Ah, c'est pas. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Ma blonde serait super bonne là-dedans. C'est une professionnelle de ce genre de puzzle. Ou de casse-tête, si vous préférez. Comment je peux faire ça, moi? Ok. Elle tombe. Fuck, man, ça a raté. C'est raté. Ok, toi t'as peur, c'est super. Je suis coincé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si... Commençons par ça. Ça me coûte un tour pour... Ah bah c'est tout. Et voilà. C'était simple, il fallait juste avoir le bon ordre. Oh. Final scene. Yes. Ah, il est tout seul. Use scroll wheel or Z. Oh, ok, on y voit mieux comme ça. Bon, on y voit mieux parce que là, c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est un puzzle. Là, j'ai pas trop le choix d'aller par là. Parfait. Je peux pas aller par là, je vais tomber dans le feu. Si je vais à gauche, je tombe dans le feu. Donc, j'ai pas le choix d'aller à droite. Maintenant, ici, j'ai le choix. Est-ce que je vais là, je tombe dans le feu. Est-ce que je vais là, je tombe dans le feu. J'ai pas trop le choix d'aller par là. Si je vais là en haut, ici, ici, ici. Ça ne fonctionne pas. Si je vais là... Ok, si je vais... Ici, là, ça fait... Oh, attends, je dis n'importe quoi. Parce que le but serait de tomber ici... Ou là-haut. Attends, on leur fait... Je visualise. Tap, sap, 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 non, non, sap, 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 oh, attends, oui, je l'ai trouvé, je pense, comme ça, oh, massacre à la guitare, et là, dans le feu, on finit dans le feu en brochette. Excellent. 2 nouveaux films. Sleepaway Camp 2.5. Oh là là, encore là-bas. Excellent. Et celui-ci. Celui-ci, c'est le DLC qui vient de sortir. Et précédemment banni du Canada. Excellent. Donc celui-là, c'est un épisode spécial, un DLC qui est disponible. Donc vraiment, vraiment cool. Mais ça fait pas partie de l'histoire, du déroulement de l'histoire principale. C'est juste qu'il s'est débloqué à ce moment-là. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller chercher...
pour aller chercher, quelque chose. Je peux dépenser avec ça. Ah, ok, je joue avec lui, parfait. Donc, oh, je peux dépenser pour en avoir un nouveau tueur. Excellent. J'aurais voulu jouer avec... c'est pas grave, c'est en débloquant qu'on va avoir des personnages. Donc, qu'est-ce que j'achète ici? J'y vais avec quelque chose de plus. Oh, le cœur qui sort! Je l'achète. Excellent! Broken Hearted. Je peux plus le voir? Je vais le voir. Fais voir comment ça va. Oh! Finish him! Excellent! Et là, c'est ça. C'est tout! C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la famille. Laissez-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une suite à cet épisode pour voir si on continue les autres films et donc les autres puzzles, les autres casse-têtes qui vont avec ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés et à en parler à vos amis. N'oubliez pas non plus de me clocher. Clochez-moi, c'est important. Hein. YouTube fait en sorte qu'on doit se faire clocher pour survivre. Nous, les YouTubeurs. C'est tout. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.